السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Frères d'Islam, Allah subhanahu wa ta'ala donne l'aube à un croyant. Wa attachimu billah. Attache-toi fermement avec Allah. Crampe-toi avec Allah. Huwa maulakum. C'est lui qui je te protège. Fa ni'ma al-maula wa ni'ma al-nasir. Comment Allah les meilleurs de ban protecteur et les meilleurs de ban qui aider.
un musulman, celui qui est tout le temps bien attaché avec Allah. Parce qu'il y connaît qui du bien, dans contrôle Allah, pareillement, si Allah ou l'un dit tout, tout un djimoun, personne n'est pas capable de protéger lui depuis sa dit là. Donc un musulman, n'importe quelle situation il fait face, et surtout qu'un musulman, le salaté est là, il y a un target pour manquer de l'iman. Pas besoin d'être trop loin, nous avons un frère qui est dans la fonction publique. Ban discrimination qui fait la conduite. Et bien souvent, ça, ban discrimination, ça, ban pression morale là. Nous pas connaître ça, les man qui sont aussi cachés, pas l'un du monde qui vient dévoiler. Il y a beaucoup de choses comme ça qui déroulent. Et quand nous avons un frère causé, nous trouvons qu'il vraiment, dans beaucoup de situations, nous ban frère musulman, pas besoin d'être trop loin, nous sommes dans nos pays même. Il y a une discrimination qui fait contre ban musulman. Alors, musulman là, parfois, il est capable. Dans un moment de faiblesse, il est capable de faire quelque chose qui n'est pas bizarre. Donc, un musulman, lui, se protéger, c'est Allah. Et connaît qui, tous les temps, ça qui paye l'iman, là, il se fait dit tout à sa musulman. Là, comment on peut trouver à travers le monde, dans beaucoup de différentes situations. Mais un musulman, il connaît qu'Allah, ta'ala, ce maoula, se protéger. C'est celui qui est capable de faire ni'man nasir. Mais il est de bande capable d'apporter l'aide, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. La cause est un musulman, l'ibizan garde sa confiance en Allah. Li connaît qui Allah Ta'ala, coudra, capacité, pouvoir, la force, l'existe dans l'armée Allah. Ça. Et aussi longtemps que sa communauté-là, il va t'acheter avec Allah, Allah Ta'ala va apporter ce secours. Allah Ta'ala dit Wa ma min dabbatin fil ardu illa ala Allah rizqua. Pays aucune créature qui peut m'assurer le salatéla, excepté qui. Ce provision, ça c'est Allah qui accorde lui ce provision. Dans le passé, finina, mon frère qui n'a plié à Jésus de connaître, un moment, tu peux boycotter musulman dans plein de vie, pas gagner de travail. Mais c'est même musulman là, il vient tracer. Il vient ouvrir un magasin, il vient partir, il vient à Singapour. Il vient tracer sur la vie, Allah, Allah vient accorder lui. C'est ça un musulman. Il n'a pas besoin d'attendre des personnes, il n'a pas besoin de faveur. Simplement, nous besoin de la justice. Il n'a pas besoin de faveur de personne, mais seulement il a besoin de la méritocratie, ça qu'il méritait, il a besoin de gagner. Allah Ta'ala fait nous connaître, frère et soeur en islam, qui insan li faqir, et c'est Allah qui rani. Ya ayyuhannas, antumul fuqara'u ilallah, au banjimoun. Je te faqir envers Allah, je te en besoin d'Allah. Il n'a pas besoin de ministre, nous. Ministère pour lui-même, il n'est pas capable de faire du bien si Allah n'a pas besoin, n'a pas de ni capacité pour faire du bien pour lui. Nous disons Allah, antumul fuqara ou il Allah. C'est lui qui, dans la position, il pensait qu'il y faut. Lui aussi, pareil. Li faqir il Allah, lui disons Allah, lui Allah donne lui l'autorité, Allah donne lui pouvoir pour un moment, n'importe qui est situation sans eux. C'est lui qui est au trône, n'importe quand il est capable de retrouver d'emploi. C'est lui qui est d'emploi, il est capable de trouver le trône. Pareil comme Allah, Ta'ala finit Yusuf alayhi salam. Ben là, si c'est lui d'empoui, Allah chérit d'empoui, il mettit le trône. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il sauvait depuis Madina, depuis Makka plutôt, pour se laver, ben là, puis en tout, sur la case, il sauvait, il retire dans Madina, 8-9 ans, 8 ans après, il retourne dans Makka, le cheval, il conquérit à Makka. Allah Ta'ala, il donne mulk, il donne l'autorité à celui qui lui envie, et il enlève l'autorité à celui qui lui envie, depuis celui qui lui envie. Allah lui honore celui qui a envie, Allah lui donne zillat à celui qui a envie. Allah Ta'ala fait nous connaître qui nous faqir il Allah, parce que toute la création faqir il Allah, nous besoin Allah, Wallahu huwa al-ghaniyul hamid. Allah lui est riche, Allah c'est lui qui est digne de toutes les louanges. Parfois nous ne pas qu'on grandir Allah. La cause nous attend dit bien et puis dit moun. Quand un tel pour un tel poste, pour faire tracer grâce à un petit travail qui motifie mon garçon. On peut attendre un tel ville ministre. Nous attendons des paysans. Mais ça, c'est un léquier qui faible ça. Un dimon qui attend faveur des paysans, comme à lui-même, ce léquier a confiance dans Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith Qudsi, Allah Ta'ala adresse avec ce bon serviteur. Ya ribadi, kullukum dal, illa man hadaytuhu. Oh, mon bon serviteur, je tous dans les gamins, excepté celui qui me fait une guide. Fastahdouni ahdikum. Alors, demande-moi la guidance, moi vous donne la guidance.
Ya ibadi, Allah veut montrer nous comment nous faquir. Dans aucun, qu'il soit au niveau matériel pour sa dunya, nous ne pouvons pas donner nous. Même pour akhirat, nous ne pouvons pas donner. Guidance là aussi, quelque chose qui nous plaît bien. En vérité, nous plaît bien guidance qui quelque chose matériel. Parce qu'il suffit d'être privé de quelque chose matériel dans ça le monde là, pour souffrir dans ça le monde là. Mais si nous sommes privés de iman, de guidance, souffrance, les vignes dans ça le monde là et dans akhirat tous les deux. Alors Allah Ta'ala dit au ban serviteur, je tous je peine à guidance, excepté celui qui me fait guider. Alors demande-moi la guidance. Allah Ta'ala lui conseille, il dit, Ya ribadi, Allah m'adresse avec moi, avec vous. Ya ribadi, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu. Je tous je affamé, excepté celui qui me fait donner à manger. Fastat'imuni ut'imkum. Alors demande-moi manger, demande-moi ta'am, nourriture, pour pouvoir conduire. Là, notre situation, le monde, tout le monde peut grimper, attention, qui ça la guerre, la Russie, l'Ukraine, ils prennent l'autre dimension. Là, nous peut-être que le prix peut augmenter, pas pour gagner gaz, il y a une frayeur. Pour montrer qu'il y a une salle, même les capables de posséder l'argent. Si vous avez l'argent, Allah lui sent cette situation-là, bateau n'a pas rentré. Qui vous fait avec vous l'argent? Ou bien Allah n'a pas fait la pluie tomber, ou quand vous avez l'argent, Allah n'a pas fait la pluie tomber. Dès là, vous payez. Qui plante qui vous pousser? Veut dire qui, quand Allah peut dire, oh, mon serviteur, je suis tous affamés, vraiment nous affamés, nous, même nous capables de posséder par millions. N'est qu'imaginez une goutte, et dans la guerre, bateau pas rentré, qui ne vous fait avec l'argent? Allah dit, oh, mon serviteur, je suis tous affamés, alors, excepté celui qui me fait donner à manger, alors, demande-moi à manger, pour vous donner à manger. Ya ribadi kullukum ar. Oh, mon bon serviteur, je suis tous nus, illa man kasautuhu, excepté celui qui m'a fait accorder les vêtements, fastaksuni aksukum, alors demande-moi vêtements, mais pas accorder les vêtements. Ya ribadi, innakum tukhti'una billayli wal nahar. Oh, mon bon serviteur, je te fais pécher la nuit et le jour, wa ana aghfiru dhunuba jami'a, et c'est moi qui pardonne tout bon péché. Fastaghfiruni. Alors demande-moi pardon. Aghfir lakum. C'est moi qui pardonne mon péché. Alors demande-moi pardon pour à cause de le pardon. Ya ribadi, law anna awwalakum wa akhirakum. Oh mon bon serviteur, si premier épisode et dernier épisode, mettez sa première du monde qui vient de la terre, Adam alayhi salam, et dernier du monde qui vient de la terre, tout joint un seul la plaine. Premier de Banjin et dernier de Banjin, je tout comme au fils Saïdin Wahidin, je tout in debout dans la plaine, face à Alouni et je demande-moi. Fa'ataytu kulla wahidin mas'alata, et moi accorde chaque être humain, chaque djinn se requête. Ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusu al-makhir idha udkhila al-bahr. Ça, si moi fin donne chaque djinn se requête. Ça, il n'a pas pour diminuer, non, ni d'un mot, trésor, excepté, comme on a dit, un du monde, il prend un aiguille, il met de l'eau, de la mer. Mais déjà, tu quittes de l'eau qui nous sortit là, c'est ça qui est, comme on donne tout ça, bonne créature là, ça qui est bizarre, comme on a dit, ça coûte de l'eau là, ça. Et mon trésor, il, comme on a dit, ça la mer là, en d'autres mots. Mais dit, Allah, ta'ala, il est tout puissant. Tout trésor trouve de la mer là, ce moment-là. Comment du monde, il est capable, quitte, c'est lui qui peut dire avec la création. Il n'est pas précisé avec Jimoun, avec Jin aussi. Et pas avec celui qui est présent, il peut dire avec Banki dans le passé, qui vous vient dans le futur. Demande-moi. Et si je te demande-moi, moi, contre chacun de eux, ça n'a pas pour diminuer, non, ni dans votre réseau. Est-ce qu'il y a un autre apporte Allah qui a sa capacité là? Est-ce qu'il y a un autre apporte Rabbul Alamin qui a sa trésor là, dans son contrôle? Peine n'a pas existé. Mais comment Insan, il y a encore pétoune vers l'autre apporte Allah subhanahu wa ta'ala? Donc Insan, tous les temps, dans toute situation, les besoins tournent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Dans Sirah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bataille de Uhud, les musulmans ont subi une défaite, nous capables de dire, 70 sahabas finement. Mais à la fin, les musulmans récit repousse, ils ont mis le champ de bataille, ils ont sauvé, ils ont tourné les deux finales, Abu Sufyan, ils ont pris une troupe finale. Mais les temps se retournent vers Madina. 70 parmi eux, il mort, beaucoup blessé parmi eux. Même Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu blessé, il n'y a pas de la guerre facile.
Je tiens une nouvelle qui ben l'ennemi peut retourner. Et ben munafiqin dit n'est sa nouvelle là. Et ben munafiqin qui sont dans Madina, je suis tout le temps là pour décourager les musulmans. Alors je viens avec ben sahaba. Quand je gagne une nouvelle qui ben l'ennemi peut retourner, bien retourne, bien retourne le champ maintenant. Parce que si l'ennemi peut retourner, pas pour capable retourner vers Madina, bien retourne le champ pour l'affronter avec l'ennemi. Avec toutes les blessures, avec toutes les fatigues, après que je fais une PRD, je banne camarades, je banne frères, je banne famille, même Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, fait une PRD sur Tcha-Tcha, mais bien retourner pour aller affronter l'ennemi. D'un moment pareil, aussi Dieu que ça, ban mouna africain, puis amène ce drôle, puis décourage, ban musulman, je dis avec ban Jimoun, Allah ta'ala dit, Alladhina qala lahumun nas, inna nasa qad jama'u lakum, fakhshawhum. Ban mouna africain, puis dit avec ban sahaba, ban l'ennemi, ban kuffar de Quraysh, je ne zoine. Alors, gain pire, faire attention, ban la paix revenir. Gain pire, je te décourage, je te démoralise, ban musulman. Ban sahaba, qui cette réaction, Allah dit fazadahum imana. Sa situation difficile qui peut représenter là, ça fait augmenter cette iman. Je pas fait une pire. Zadahum imana, wa qalu, et ban la fin dire, hasbunallah. Allah lui suffit pour nous, wa ni'mal wakil, et Allah lui meilleur de ban protecteur. Comme ça même, nous ici pareil dans la vie, et dans plusieurs ban circonstances que l'avenir paraît de somme, pour ben nous trouver aujourd'hui avec flambée de ban prix, beaucoup de monde dans la difficulté, peut-être nous si nous dormons bien, mais il n'est pas comme ça pour tout le monde. Il est vraiment un moment difficile, mais seulement un musulman, il prend patience, il attache avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit hasbunallah, Allah lui suffit pour nous. Wa ni'mal wakil, Allah lui meilleur de ban protecteur. Celui qui vient de moi à manger jusqu'à ce qu'il me vienne vivre aujourd'hui, lui-même pour continuer. Préserve-moi, lui-même pour continuer. Accorde-moi. Comme ça même Ibrahim alayhi salam, dans un moment difficile, comme Allah l'a rappelé, peut-être qu'il a dit fait. Dernière parole qu'il dit hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah lui suffit pour nous. Et lui meilleur de ban protecteur. Allah Ta'ala fin faire diffé, vin une sécurité pour lui. Les fin gagne, fraîcheur au contraire avec diffé, on dit qu'il fin brille avec diffé. Allah Ta'ala il a contrôle le chaque situation. Un musulman se l'équire, jamais il désespéré. Et jamais il pensait qu'il insane pour qu'il ait de ces difficultés. Allah même qui pour qu'il ait de ces difficultés. Pas attendre des personne. Dépendre nous-mêmes. Dépendons Allah avant et nous faisons nos efforts. Dépendons Allah avant et nous faisons nos efforts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin traîne ban sahaba comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin donne sa tarbiya la ban sahaba n'a pas dit man personne mettre confiance en Allah. Le prophète dit istaghnaou anin nas. N'a pas dépendu du monde. N'a pas dépendu le député de l'endroit. N'a pas attendu le ministre. N'a pas attendu un tel parti pour venir au pouvoir pour faire pour toi. Non! Pas quand ça va nous fausser l'espoir là. Toi, musulman, fais des efforts, coopère avec ton frère, travaille pour te dire, Allah Ta'ala quoi pour te aider. Le prophète dit, istaghnaou anin nas, n'a pas dépendu de l'autre monde, voilà où bichon c'est siwak, même n'a pas demandé un bâton miswak, n'a pas demandé du monde. Une affaire simple, n'a pas demandé du monde non. J'ai un sahabi, Thauban, qui est un esclave libéré de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète peut dire avec un sahaba qui est présent. Il dit Man yakful li Allah yas'al an-nas shay'an wa atakaffalu lahu bil janna. Qui est là qui donne moi garantie qu'il n'a pas pour demander personne quoi que ce soit. Et il me donne lui garantie qu'il est pour gagner jannat. Get Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui qualité tarbiya. La cause ça ne fallait pas dans le rôle de l'avantage. Moi, il y a un garçon qui termine sur les titres d'université. Il y a un certificat pour gagner un travail. Je connais un tel famille de gouvernement, ministre de ma famille. Moi, allez, moi, je me tracer pour mes enfants. Non, c'est qu'il méritait Allah pour donner lui. N'a pas fait comme les autres. Faire les autres passer sur la tête. Pareillement, nous ne sommes pas contents, personne ne passe sur la tête. Nous ne sommes pas contents, pareillement. L'autre du monde dit pareil, il n'est pas content qu'il passe sur la tête. Mais nous qui faisons, nous faire lui. Non, nous ne sommes pas contents que les autres passent sur la tête, mais pour nos enfants, oui, il va faire un an quand même, il passe sur la tête pour ce prochain. Non, nous demandons avec Allah ce qui nous méritait. Le prophète dit avec Ban Sahaba qui est présent, qui est là qui donne moi garantie, il n'a pas pour demander mon nom, et il me donne lui garantie qu'il est pour gagner Janna. Alors, Thauban finit dire, moi, ya Rasulallah, moi, je peux faire sciemment, je peux donner toi,
garanti ki ma pou diman person nan ni. Et de haditha mentionné ki thawban, zameni ti pe diman dimoun. Vejian le prophète sallallahu alayhi wa sallam pe kreye un mindset dans l'esprit sa ban sahaba la. N'a pas diman nan ni, dimoun, fais des efforts. Un dimoun bin kot rasul sallallahu alayhi wa sallam, da même sens. Ya Rasulallah, diye-moi une action ki kamo feli. Allah pou konta moi et ban dimoun si pou konta moi. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, izhad fi dunya, yuhibbak Allah. Tourne-toi avec ça le monde là. Pas plonge-toi devant le plaisir ça le monde là. Vive détaché avec ça le monde là. Allah pour content toi. Wazhad fi ma inda nas. Reste loin avec ça qu'il y a avec Jimoun. Yuhibbuk nas. Et Jimoun pour content toi. Rasul sallallahu alayhi wa sallam montre-nous pas attaché avec sa dunya. Et ça attaché avec dunya la même qui fait nous atal l'ami. Ça attaché avec ça. Quand les qui attaché avec sa dunya là, c'est un qui fait nous de l'avantage qui n'est pas mérité ça. Nous envie nos enfants parce que les autres, nous envie nous-mêmes gagner bénéfice. Si les autres peuvent faire lui, pas veut dire qu'ils ne nous besoin faire lui. Nous disons avec Allah subhanahu wa ta'ala, nous faisons nos efforts, ça qui nous méritait Allah ta'ala pour accorder. Pareil, pour montrer, nous déjà mentionné ça ici, plusieurs fois peut-être. Comment ban ta'aberi, ban sahaba, tu comme ça, tu dans cette attitude-là, jamais tu viens servir, jamais tu viens un esclave ou ban les autres, même pas pour ban qui est au pouvoir. Et comme ça, les musulmans bien été. Il n'est pas besoin de comment dire, manger, garder, comment nous dire, pour tel parti, pour un tel nom. Pour élection, ça correct ça. De jeter un petit peu l'argent, correct ça. Non. Les musulmans, ils sont indépendants, ils disent pour le solipier, ils font des efforts, ils ne demandent pas de personne, ils demandent demande du hack seulement, ils ne demandent plus que ça. Ça, petits enfants de Abdullah ibn Omar, qui est un grand tabéri, qui est un grand savant. Les côtes Kaaba, ils veulent faire ribadet. Les qui attachés avec Allah toujours. Parce que l'État côté Kaaba. Le calife, Hisham, bin Abdul Malik, il rentre côté Kaaba, il trouve Salim. Il dit à lui, oh Salim, demande-moi, je ne côté toi. Alors, ben calife, il a respect pour ben savant à l'époque-là. Salim, comme un savant, il est capable de demander quelque chose, même pour dire. Demande-le, peut-être pas pour lui, il est capable de demander, moi, tel projet pour dire. Il dit comme ça, inni astahi min Allah an as'ala fi baytihi ghayrahu. Mougain honte dans la case Allah pour demander le tapote Allah. Je dis côté Kaaba. Il dit mougain honte pour demander, calife peut proposer. Il va demander avec calife là. Allah peut faire dunya avec un homme de son pied. Là aussi, il tape le pied de dunya là. Il n'est pas besoin avec insan. Il est besoin juste Allah. Quand il est attaché avec Allah, comme ça, Allah t'a fait une donne ça. Ça, ben sahaba, dunya fait une donne de son pied. Quand je dis tous les deux avec Dunia, Dunia vient de me donner les pieds. Comme ça, même, ça savant là, qui est risette qu'Allah, t'as la donne sa main savant là, c'est pas un vendredi, Adine. Il dit, il faut qu'il y ait honte pour dire avec un autre apporte Allah dans Allah sur la case. Alors le pauvre calife, il sort, il n'a pas de temps à dire, comment Allah fait Dunia tombe dans les pieds. Quand il est à quoi? Quand sa communauté là, il est à quoi? Dunia pour ne pas être un tracas pour lui. Sa calife là, t'as dans les yeux, l'étant Salim sorti. Il dit, il redit, à ce titre qu'il y a des demandements d'une vie de la case, Allah, mais j'en dis au masjid. Il dit, comment vous demandez toi, d'une ou bien akhirat? Mais pauvre calife là, il peut croire les riches. Il dit, non, demande-moi qui soit qui te bise dans la dunya là, avant qu'il soit matériel, mais pas à côté de toi. Salim, il dit, wallahi, ma sa'al tout dunya man yamlikuha, kaifa as'aluha man la yamlikuha. Comment vous êtes capable de demander dunya à celui qui possède sa dunya là? Quand jamais je demande sa dunya là, c'est depuis celui qui possède lui. Comment je suis capable de demander dunya depuis celui qui ne possède dunya? Je dis, toi, tu ne possèdes pas ni toi. Mais Allah ne m'a pas demandé pour sa dunya là, je ne m'a pas demandé avec Allah, je ne demande avec toi. Ça va dire que là, je viens de comprendre ce hadith qui nous vient de mentionner. Quand Allah t'a dit, oh, ben, je suis tous affamés. Alors demande-moi nourriture, je vous donne de manger. Je viens de connaître qui khair, du bien trouve dans la mer. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de demander avec Jimoun. Alors, comme ça, les musulmans, ils ont été tous les temps, ils attachent les fièrement avec Allah. Mais c'est moi, il y a une petite chose qui empêche nous doit accepter, empêche nous gagner l'aide d'Allah. Ben, du monde, une demande avec Ibrahim bin Adam, parmi ben, du monde pieux. Je viens de dire, baluna, nad'u fala yustajabulana. Mais qui est arrivé nous faire doit Allah pas accepter? Lui dire, li annakum araftumullah. Je demandais à Allah par contre, je qui fait, araftumullah falam tutu'uhu. Je te fin connais Allah qui s'en là, mais je ne suis pas fin obéir à Allah. Araftumur rasul, je ne connais qui s'en là qui est rasul, sallallahu alayhi wa sallam.
فلم تتبعوا سنته. Mais ça ne m'a pas fait suivre ce sunnah. Ou عرفتم القرآن. Je ne connais qu'à peine le Coran. فلم تعملوا به. Mais ça ne m'a pas fait faire عمل le Coran. Il dit, أكلتم نعم الله. Je ne mange Allah sauf avir. فلم تؤدوا شكرها. Mais ça ne m'a pas fait montrer gratitude envers Allah. عرفتم الجنة. Je finis qu'on jannat. فلم تطلبوها. Mais ça ne m'a pas fait faire effort pour gagner jannat. عرفتم النار. فلم تحربوا منها. Je finis qu'on appelle l'enfer. Mais ça ne m'a pas fait sauver depuis l'enfer. عرفتم الشيطان. Je ne connais que ça n'a qui شيطان. فلم تحاربوا. Je n'ai pas fait la guerre contre شيطان. ووافقتمو. Je finis obéir شيطان. عرفتم الموت. Je finis qu'on l'amour. فلم تستعدوا له. Mais ça ne m'a pas fait préparer pour l'amour. دفنتم الأموات. Je finis enterrer ce bain de mots. فلم تعتبروا. Mais ça ne m'a pas fait chez les sons. تركتم عيوبكم واشتغلتم بعيوب الناس. Je finis lier ce bain de défaut et je vais préoccuper tout avec bain de défaut de ce bain prochain. Veut dire, ça, Ibrahim ibn Adam, sa grand personnage pieux là, lui peut donner une réponse qui fait Allah Ta'ala n'a pas aidé nous. En bref, ce qui Allah Ta'ala n'a pas descendu sur aide quand nous tournons les deux avec lui. Nous n'avons pas attaché nous les pieds avec lui. Nous n'avons pas fait des efforts pour se dire, mais même Allah Ta'ala laisse nous. Par nous-mêmes, Allah Ta'ala n'a pas protégé nous. Donc, un musulman, il a besoin de faire des efforts tous les temps. Et il y a beaucoup d'exemples dans le Coran. Par exemple, nous trouvons Moussa alayhi salam, quand il fait quitter l'Égypte, une bataille du monde pour errer, il fait séparer des djimouns pour la guerre, il fait une tape à une personne qui de l'armée de depuis Bandimoun de Pharaon. Il fait une tape, inintentionnellement, il finit à tuer lui. Asseb al-Napéro de lui pour arrêter lui. Il sauve, il quitte l'Égypte. Les temps, il sorti en dehors de l'Égypte, parti la Palestine, Canaan, pas là-bas. Il est assis en bas de pied. Il dit fait doigt avec Allah. Il vient en lien avec lui. Il dit Rabbi, Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khayrim fakhir. Oh Rabb, moi, j'ai besoin de n'importe qui dit bien de vous descendre là, moi. Il tourne sur les quais, il tourne vers Allah. Il vient en lien avec lui. Maintenant, il peut sauver. Il va prendre l'argent, il va à l'aise, il va nourriture, non, il va il va faire droit avec Allah, les qui est attaché avec Allah. Sa bande d'histoire là, il mettait dans le Coran pour qui nous suive l'exemple de sa bande prophète là. Il trouve, nous connaissons l'histoire, il trouve des petites filles, puis attendre côté un puits, c'est la bande Miché qui fait tirer de l'eau depuis dans le puits. Il y a l'aide, ça dit des petites filles là pour tirer de l'eau. Finalement, ça va, ça dit, puis là, quand je retourne la case, je dis avec je de papa, un tel, fin et nous, une personne fin et nous, papa là, j'avais à l'appel, ça dit, moun là. Moussa, alayhi salam, à côté de sa papa là, et sa papa là, j'ai dit, oh Moussa, me donne-toi, l'armée de haine de Motifi, compte, tu travailles pour moi pendant 7 ans ou bien 10 ans, si tu as envie. Moussa, alayhi salam, accepté sa offre là, il gagne madame, il gagne travail, il gagne la case pour lui rester, il gagne place pour lui sauver depuis Pharaon ce Bandimoun. Veut dire Allah Ta'ala, tout de suite, dans l'espace de quelques minutes qu'il nous fait doigt, Allah Ta'ala sans cette situation. Ça, c'est quand on demande doa avec yakin, avec conviction. Allah Ta'ala, il n'est pas tardé quand il y en a pour donner un djimoun quelque chose, Allah Ta'ala l'a accordé sans qu'il y compte. Par exemple, les prophètes comme Ayyub, alayhi salam, et nous tout le monde prophète pareil, il y a beaucoup d'épisodes de la vie qui montraient comment Allah Ta'ala fait une vie dans notre aide. Mais ça, peine à doute qu'Allah Ta'ala est le médecin du Coran pour qu'il nous suive l'exemple de bon prophète. Nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala, et peine à doute qu'Allah Ta'ala lit à côté sur bonne servité et sur aide, c'est lui qui méritait. Et jamais nous perdons l'espoir. Le Rabbul Alameen, aqulu hadha, wa astaghfirullah li wa lakum li sa'il muslimin, fa astaghfiruhu min kulli dam, innahu huwa al-ghafur al-rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Frères en Islam, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Celui qui place sa confiance dans Allah, Allah lui suffit pour lui. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Allah peut tenir ban quelque chose de l'invisible dans les cieux et la terre. إليه يرجع الأمر كله تكيد سوزغتون فيلي فاعبده وتوكل عليه أدو الله تعالى uniquement et place votre confiance dans Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait une vie dans le monde qui dans le mutawakiloun dans qui place confiance sur lui et qui fait des efforts pour nous demander pour nous débouter dans les pieds et pour pas du mal avec la création qu'Allah subhanahu wa ta'ala tienne nous dans les difficultés et qui nous fait des efforts pour qu'il nous améliore nos situations
اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.